je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas comment réagir à ta question. Tu ne me poses pas de voix. Tu m'envoies... non, mais c'est exactement ce que je viens de dire, putain. C'est exactement ce que je viens de dire. Johan, tu es le héros de ton histoire, tu es le personnage principal de ton film, et tu me demandes à moi, un personnage secondaire, de vivre ta vie de héros, de prendre ton rôle et de devenir le premier rôle, alors que c'est pas ma vocation. Tu es le personnage principal. Et ce que ça renvoie, c'est que c'est de la reconnaissance envers toi-même que d'aller confronter ça à l'extérieur, de répondre à ta propre question, parce que je renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es ta réponse, tu es le chemin, tu es la voie, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es l'ombre et tu es la lumière. Et quand on dit que les réponses sont en nous, c'est pas une métaphore. C'est tout ce que tu as à savoir de toi, tu l'as devant la glace, devant le miroir chaque matin. Chaque facette que les autres nous renvoient, c'est ta réponse. Ce que tu en déduis, c'est ta réponse. On n'a pas d'autre talent que de reconnaître ça. Parce que ça, c'est aller vers ton pouvoir. Et pourquoi je te dis tout ça? Parce que tu les fuis. Non pas... En fait, tu fuis tes talents. Pourquoi tu fuis tes talents? Parce que tu ne veux pas les reconnaître. Pourquoi tu ne veux pas les reconnaître? Parce que tu n'es pas centré sur toi. Tu n'es pas centré sur toi. Pourquoi? T'es pas centré sur toi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas jouer le premier rôle dans ton film, dans ton scénario, dans ta vie. Jouer le premier rôle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire agir. Tu veux faire une formation? Fais-la. Tu veux devenir coach? Deviens coach. Même si ça résonne mensonge, en fait. Même si ça résonne, je ne suis pas capable en toi. Même si ça résonne, on ne me reconnaît pas en tant que tel. Même si ça résonne, ce que tu veux, négatif, positif, bien, mal, on s'en fout. On n'a pas à juger. Tu pourrais baser ta vie sur un mensonge, sur le plus gros mensonge de ton existence, tant que tu fais les pas vers ça. Et c'est en faisant les pas vers ça que ça devient vrai. Et là, ça résonne aussi en moi, ce que je dis. Et vraiment, c'est ça. On n'a pas... Je renvoie l'information dans le groupe, mais... On n'a pas à se poser la question si c'est bon ou mauvais, si c'est vrai ou faux. Tant qu'on vibre. Et la meilleure manière de vibrer les choses, c'est de les acter. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de matière. La matière représente 0,00001% dans l'univers. Mais c'est la seule preuve tangible qu'on existe. En tant qu'être humain, en tant qu'ego, c'est la seule preuve tangible. Et la seule manière de faire vibrer la matière, c'est de se lever de sa chaise et d'aller faire des actions. Donc, Johan, redescends de ton piédestal, sous-entendu ton mental, pour incarner quelque chose de toi. Peu importe si c'est une blessure, peu importe si c'est un talent, peu importe si c'est ton génie ou tes faiblesses, peu importe que ça repose sur ta fuite, sur ton perchage, sur ton ancrage, sur une capacité médiumnique, on s'en fout. L'essentiel, c'est de faire. Rien de plus, rien de moins. Belle soirée à toi et merci pour ta question.